elle part du principe que l'on peut déplacer son centre de gravité vers l'autre, accepter de l'écouter à frais nouveaux, d'entendre ce qu'il a à dire, d'entrer progressivement dans sa manière de croire, dans sa manière de lire la parole de Dieu, de l'interpréter, dans sa manière de prier et de célébrer. Et puis se laisser interpeller, lui laisser questionner notre propre manière de faire, notre propre tradition. Et quelque part, il va nous inviter à creuser à la racine de ce qui fait notre identité. Se invece ci lasciamo guidare dallo Spirito, la ricchezza, la varietà, la diversità non diventano mai conflitto, perché Egli ci spinge a vivere la varietà nella comunione, nella Chiesa. L'unità non verrà come un miracolo alla fine. L'unità viene nel cammino, la fa lo Spirito Santo nel cammino. Se noi non camminiamo insieme, se noi non preghiamo gli uni per gli altri, se noi non lavoriamo insieme in tanta cosa che possiamo fare in questo mondo per il popolo di Dio, l'unità non verrà. Nous laisser interpeller par l'autre, déplacer notre centre de gravité vers lui pour nous mettre pleinement à son écoute et oser nous laisser questionner par lui. Voilà un beau projet pour l'union des églises, mais voilà aussi une belle manière de cheminer vers la réconciliation dans toutes nos relations quotidiennes. Vraiment, je vous souhaite de vivre une semaine de prière pour l'unité des chrétiens intense, profonde et sans doute bouleversante.